Nell, you could have had them. Come. Il y a des gens qui sont venus vous voir. Moi ? Oui, si vous voulez venir. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes étrange depuis ce matin. Je vous en prie, venez. Et prenez votre talisman. Vous devez toujours le porter. Ce machin est très lourd. Bonsoir tout le monde. Ça devrait pas être des torches? Guten Abend, Herr Knight. Je suis Werner Huber. Excusez-nous de venir si tard, mais nous devons vous parler. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voici mon cousin Huber Sepp. Il a une ferme tout près de Munich. Je ne vais pas vous mentir, Herr Knight. Nous venons voir le Schattenjäger. Ah oui? Pourquoi auriez-vous besoin d'un Schattenjäger? C'est à cause de Sepp. Avant-hier soir, sa femme a ouvert la fenêtre de la maison pour appeler leur fille, Tony. Il commençait à faire sombre et la lumière dehors n'était pas bonne. Hein? Elle a vu Tony à quelques mètres jouant dans l'herbe. Et elle a vu un loup énorme et qui se rapprochait de l'enfant.
La mère a crié pour prévenir son enfant. C'est là que la bête a frappé. Tony. Du calme, bonbon. Ils disent qu'elle est morte vite. Sepp a entendu sa femme crier. Il est sorti en courant de l'étable. Il a vu le loup. Il est entré dans la maison pour prendre une arme, mais quand il est ressorti, plus de loup. Et il a emporté une partie de l'enfant avec lui. C'est horrible. C'est très grave, Ernest. C'est pour ça que nous venons à vous. Est-ce que la police a été prévenue? Naturellement. La police, ils croient que ce sont les loups échappés du zoo. Ils cherchent et cherchent, mais ne trouvent rien. Ce n'est pas la première victime. Et si on ne fait rien, ce ne sera pas la dernière. Je ne vois pas très bien ce que vous voulez que je fasse. Le tueur n'est pas un loup. C'est un loup-garou. Et vous devez le chasser et le tuer. Loup-garou? Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est un loup-garou? Le loup m'a regardé. Ses yeux étaient humains. Il savait ce qu'il faisait. Il savait. Je suis vraiment désolé pour votre fille, Herr Hubert. Je leur ai dit que vous étiez le nouveau Chateauneuf. Vous avez le talisman. Êtes-vous le Chateauneuf maintenant? Oui ou non? C'est moi. On ne vous connaît pas, Herr Light. Mais nous connaissons les Chateauneufs depuis des siècles. C'est vers eux que nous nous tournons dans ces cas-là. Sepp est de ma famille. Vous viendrez pour regarder l'endroit. Pour voir ce qu'il y a, hein? Sepp et sa femme vont dans le nord pour voir sa mère. Vous pouvez rester dans sa ferme. Très bien. J'irai voir là-bas pour vous. Voir ce que je peux voir. Je fais votre sac. Bien. Merci. Je vous retrouverai au village dans une heure. Oh, merci, Herr Knight. Merci. Le talisman de la famille. Fofkan a payé de sa vie pour le récupérer. Elles sont un peu trop sophistiquées, si vous voulez mon avis. C'est Grace qui les a commandées. C'est mon nouveau magnétophone, avec deux lecteurs. C'est mon carnet de notes.
Je peux me persuader que ce texte est brillant, mais je sèche complètement pour trouver un scénario. Cette affaire m'inspirera peut-être quelque chose. Manuscrit sans titre Black Backlash de Gabriel Knick, chapitre 1, page 1. Presque un an après sa dernière enquête, Black Backlash se retrouve dans un château en mauvais état. Il est supposé être une sorte de héros ayant hérité tardivement du rôle de défenseur de la vérité et la lumière en même temps que cette forteresse pratiquement en ruine. Mais ce que personne ne lui a expliqué, c'est ce qu'il devait faire ensuite. Jusqu'à maintenant, ses activités dans cette nouvelle aventure se sont limitées à l'achat massif de plâtre et quelques milliers de coupes de marteau. De quoi se jeter du haut des remparts, même pour le héros le plus indestructible. Mais il se dit que les choses pourraient être pires. Sans les sommes fabuleuses que lui rapportent ces histoires de vaudou, il n'y aurait pas eu de rénovation et il grelottait de froid dans son frigo bavarois. Mais heureusement, Black est distrait de ses pensées intérieures par l'arrivée d'un paquet mystérieux dont le cachet indique la provenance de l'Inde. Intrigué, il déchire l'emballage et découvre. C'est mon portefeuille. Il est plutôt plein en ce moment. C'est le poignard des Schattenjäger. Gabriel, je viens de prévenir l'Église catholique d'un miracle. La librairie connaît une effervescence inhabituelle. Notre stock se vend comme dans un grand magasin. Je m'attends à voir débarquer la caméra invisible d'une minute à l'autre pour me dire « c'était pour rire ». Toujours dans le domaine des hasards universels, Meurtre Voodoo est grimpé à la 20e place du classement des best-sellers du New York Times. Oui, je sais, le public américain a parfois un goût consternant. En tout cas, votre compte en banque grossit comme une rivière à sec après une tempête. Si vous êtes d'accord, j'aimerais utiliser une partie de ce capital pour arranger la boutique. Votre grand-mère va bien, mais vous lui manquez. Mosley vient sans arrêt et il devient vraiment pénible. Heureusement, je n'ai qu'à lui parler du grand détective de votre livre et de ses 120 kilos pour qu'il rougisse comme une pivoine avant de s'enfuir. Tout va bien ici. Je n'attends que votre décision. Je pense que vous pouvez trouver un acheteur si vous choisissez cette voie. Je sais que vous avez horreur d'écrire, mais je dois avoir une idée de vos projets pour pouvoir décider des miens. Je n'ai rien vu ni entendu qui ait un rapport avec cette histoire de chasseur d'ombre. Prenez soin de vous. Grâce. C'est moi. Gabriel Knight. Je crois que les Hubert n'aimeraient pas me voir dans leur chambre. Je ne peux pas lire grand-chose, mais il donne le nom du zoo. C'est à Thalkirchen. Le nom du détective sur l'affaire est Leber, du poste de police près de Prinz Ragettenplatz.
tromper, mais je crois que ce sac contient du ciment. Schnell, rapide. Du ciment à prise rapide. Bon, c'est souvent très utile. C'est un seau métallique. Il n'y a rien d'intéressant. Cette forêt est très grande. Il y a beaucoup de place pour se cacher. Une créature est passée par ici. Peut-être celle qui a tué la fille des Hubert. Ja? Wollen Sie was von mir? Kann ich Ihnen was helfen? Guten Tag. Sind Sie der Chef? Nein, der bin ich leider nicht. Ja, das war schön. Also, was wollen Sie denn von mir? Ah, genial. Lieber? Kriminalkommissar Lieber? Il est là? Kommissar Lieber? Und was wollen Sie von dem, wenn ich fragen darf? Ist der schwerhörig oder was? Wer? Sie sind? Sie? Moi? Oh! Ja! Ah, oui. Na, endlich. Écrivain. Voyez? Bücher. C'est moi. Ja. Kommissar Leber, bitte. Sie, da möchte ich einer Bücher verkaufen. Tut mir leid, unser Kommissar Leber lässt einen ausrichten, er hat schon ein Buch. Und ein anderes braucht er nicht. Nein! Der hat nämlich einen Haffer zum Tor. Er ist zu beschäftigt. Auf Wiedersehen! Sie brauchen einen bloß umdrehen, da hinten ist die Tür. Bien, merci. Bitte. Bücher lesen, sowas. Thank you.
Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce n'est pas la sortie. Canis, lupus, lupus, loup européen. C'est sûrement l'entrée de l'enclos des loups. Et le loup. Allez, allez, viens. Allez. Ah, c'est comme ça, hein? Excusez-moi, vous parlez ma langue? Oui. Génial, je peux vous poser quelques questions? Oui, ok. Vous êtes ici depuis longtemps, hein? Thomas, presque une année entière. Un an? Wow! J'ai remarqué que vous étiez très calme en entrant dans le chenil. Vous n'avez pas peur des animaux sauvages, hein? Les loups, ils sont feignants dans la journée. Oh! Je vois que vous avez un walkie-talkie. Le zoo est grand. Qui est-ce qui vous donne vos instructions avec ce machin? La cuisine, parfois l'unité sanitaire. Pour les choses vraiment importantes, Herr Dr. Klingman m'appelle en personne. Dr. Klingman. Et ce Dr. Klingman dont vous parliez? Herr Dr. Klingman est responsable des mammifères ici. Alors c'est à lui que je dois demander pour voir les loups de plus près. Essayez, mais il dira non. Peut-être. Où puis-je le trouver? À l'administration, là-bas. Merci. Ces loups sont fascinants, n'est-ce pas? J'ai essayé d'en faire venir un, mais il n'a pas voulu. Il y en a qui essayent toute la journée. Ce serait pas possible de m'emmener au chenil? J'aimerais beaucoup voir un de ces loups de plus près. Je fais des recherches. Ah non. Personne n'entre dans le chenil sans autorisation. Je suppose que vous étiez là quand les loups se sont échappés. Non, je travaille pas la nuit. Mais vous étiez quand même là le lendemain, non? Tout le monde devait être assez nerveux avec la police et tout ça. Oh oui. Oui, c'était vraiment de la folie. Vous pouvez me raconter? Vous dire quoi? Comment les loups se sont échappés, au fait? Ben... Le docteur Klingman dit que la porte était restée ouverte après le repas du soir. Qu'est-ce que vous pensez? La porte est lourde, elle se ferme toute seule. Il y avait peut-être quelque chose de coincé, peut-être une pierre, j'en sais rien. Je suis content que ça n'a pas été moi. Le gars qui travaille le soir a été... Vous savez? Oh, viré. Viré. Et qu'est-ce que vous pensez de ces crimes? C'est effrayant, hein? Vous auriez cru que ces deux loups pourraient faire une chose pareille? Je crois pas que c'est possible. Hilda et Parsifal étaient très gentils, comme tous les autres loups. Hilda, elle aimait jouer. Elle était encore jeune. Ah oui?
À quoi ressemblaient les deux loups échappés, au fait? Hilda était jolie, elle avait du blanc sur le ventre. Et Parsifal, il était plus gros, plus épais, plus costaud. Il avait 5 ou 6 ans, peut-être. Mais plus foncé qu'Hilda. Foncé? Comme quoi? Gris foncé. Ils étaient gris, comme la plupart des loups ici. Hilda était claire, mais le poil s'assombrit en vieillissant. Ah, vraiment? Eh, merci pour tout. Mais de rien. Rein, bitte. Was kann ich für Sie tun? J'ai peur que mon allemand ne soit pas très bon. Mon nom est Gabriel Knight, je suis un écrivain américain. Qu'est-ce qu'il y a, Herr Knight? J'écris un nouveau livre et je sais que vous êtes expert en la matière. Vous auriez un moment? Oui, asseyez-vous. Merci. Je peux vous poser des questions? Oui. Merci. Vous permettez que j'enregistre, docteur? Très bien. Donc, vous êtes responsable des mammifères dans cette section? Oui. Quel genre de formation faut-il pour ça, docteur? Les Américains n'aiment pas beaucoup les titres, mais vous devez m'appeler Herr Dr. Klingman ici. Herr Dr. sera suffisant. Désolé. J'ai un doctorat de l'université d'Heidelberg. Je suis spécialiste du comportement animal. Fascinant. Je vois que vous vous intéressez surtout aux loups. Oui, je suis connu pour mes recherches sur les loups. Vous avez dû être horrifié quand vos deux loups se sont enfuis. Oui, c'était très embarrassant. Quel genre de recherche poursuivez-vous, Herr Docteur? J'étudie des groupes de loups ici et en liberté. Des idées? Seulement qu'il y a une pureté des natures qui manque à la société humaine. Mais encore? Vie, reproduction, mort. La nature a un but pour tout. Même si ce but n'est pas très joli. Les humains ont oublié leur but. Vraiment? Oui. Est-ce qu'un lion mâle dit à la femelle, « Désolé, mais j'ai trop peur de m'engager. » Est-ce qu'une louve part en laissant ses petits au mâle parce qu'elle veut s'accoupler avec un autre loup? Est-ce que les hyènes suivent une psychothérapie parce qu'elles se sentent coupables de voler par nature? Vous n'avez pas tort. Mais je crains d'avoir un peu exagéré. Pas du tout. Vos collègues scientifiques voient comme vous? Pas souvent, non? Heureusement, j'en ai trouvé d'autres. Je discutais avec un de vos gars dehors... Greg, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas de Greg ici. Vous parlez de Thomas? Thomas, oui, enfin, bref, c'est lui qui m'a envoyé vers vous. Parce que je me demandais s'il y avait un moyen de regarder un des loups de plus près pour mes recherches. Je crains que ce soit impossible. Il ne faut montrer nos loups à personne. Il faut protéger le peu d'intimité de ces bêtes. Vraiment? Bon, très bien. J'insiste pas. Vous pouvez me parler brièvement des deux loups échappés? C'est important pour vous? Ah oui, voyez, les loups sont les personnages principaux de mon roman. Et ce cas est inhabituel, pas vrai? Je suppose que oui. Très bien. En fait, j'en sais très peu sur l'affaire, mais je vous dirai ce que je sais. Merci.
Depuis quand les loups ont-ils disparu? Depuis environ 2 mois. Ça fait un bail, hein? Étrange, la police n'a pas vu la queue d'un loup. Façon de parler. Croyez-moi, vos sentiments sont partagés par le public allemand. Vous pensez que les loups sont responsables des mutilations? Cela reste encore à prouver. Parce que je me demandais, qu'est-ce que ça pourrait être? Des loups sauvages ou quoi? Malheureusement, il reste très peu de loups sauvages en Allemagne. Presque tous ont été tués par les chasseurs il y a longtemps. Tous? Il en reste un peu dans les Alpes. Mais si près d'une grande ville comme Munich, c'est presque impossible. Vous avez d'autres suggestions? Je crains fort d'être aussi perdu que tout le monde, Herr Knight. Je ne comprends pas pourquoi des loups. Si les tueurs sont des loups, pourquoi attaquer des humains? Ce sont des prédateurs. Les carnivores attaquent parfois l'homme, si la faim est trop forte, et l'opportunité. Mais les vôtres ont grandi avec des humains. Oui. Et ainsi, ils n'ont pas peur de nous. Je suppose. Comment un loup choisit-il ses victimes? Avez-vous entendu parler du langage de la mort? Non. Vous savez peut-être que les loups choisissent des proies jeunes, vieilles ou malades. Jusqu'à récemment, on pensait qu'il s'agissait d'une sorte de sélection naturelle, de survie du plus fort. Maintenant, certains d'entre nous voient que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Nous avons observé, par exemple, des loups autour d'un renne malade. La créature était sans défense, mais restait debout et fixait les prédateurs. Les loups sont partis. Ou un taureau sain qui était parti en sentant les loups, devenant ainsi une cible très facile, sans aucune raison apparente. Les chercheurs croient maintenant qu'il y a une sorte de langage primaire entre eux. « Je suis la mort, » dit le loup. « Es-tu prêt à partir ?» Et la victime, par ses actions, dit « Oui, je suis prêt, ou non, tu me prendras plus tard. » Et si leur proie ne connaît pas le langage de la mort? C'est un très gros problème, surtout pour les loups. Quand des loups rencontrent des animaux domestiques qui ne connaissent pas les règles du jeu, ils ne savent plus. Ils attaquent et tuent, et ils ne savent pas quand s'arrêter. C'est pourquoi les fermiers ont provoqué leur extinction presque partout dans le monde. C'est bien. C'est certainement un sujet auquel je vais penser. J'aurais plutôt demandé à quelqu'un qui n'est pas impliqué. Ce type est un peu trop mouillé pour être honnête. Merci pour tout, docteur. Je vous en prie.